Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Et aujourd'hui, on retrouve donc notre poney Rainbow Dash. Donc, on en a deux. Donc, on a T.Y. Beanies, donc une peluche de T.Y. Beanies, et puis un Rainbow Dash qui fait des saltos de la marque Mattel. Donc, on va faire une petite comparaison. Donc, on va commencer avec celui-ci. Bien sûr, c'est Rainbow Dash de My Little Pony, donc avec des petites ailes toutes brillantes, une queue arc-en-ciel, une crinière arc-en-ciel, des couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr, pour les deux. C'est un peu la même texture que les cheveux de Barbie, bien tout doux. Voilà, donc on a les yeux qui sont cousus, on peut bien sûr peigner la crinière facilement. Voilà, donc là son petit nom qui est écrit dans l'étiquette. Donc on a une matière un peu particulière aussi pour les ailes. Voilà. Et donc là on a notre poney Salto. C'est le même poney, hein. C'est toujours Rainbow Dash. On a la même couleur. Après, au niveau des yeux, ils sont un petit peu différents. Donc voilà, celui de gauche, c'est rose. Celui de droite, c'est violet. Une première différence. Celui-là, il est tout en plastique. Tout est dur. Et puis bon, la tête est légèrement plus molle. Et puis bon, après, les ailes sont aussi également en plastique avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, et de l'autre côté, c'est... bleu. Après bon, j'ai mis les éclairs, ce sont des tatouages que j'ai rajoutés dans une vidéo précédente. Ok. Bon, concernant la crinière, c'est quand même différent. Donc, on retrouve, en fait, c'est la crinière plus la queue qui constitue les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel sur la crinière, au niveau de la crinière et les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau de la queue. Voilà. Et puis et celui-là aussi, donc, la crinière bouclée. Donc là, on a bon, aussi toujours le même dessin. Vous avez vu, donc le nuage avec les éclairs. Sauf que sur celui-là, que l'on a en face de nous, on peut appuyer sur le nuage. Donc voilà, je vais montrer... la fonction salto. Ouh. Bon, d'habitude, il peut atterrir parfaitement sur ses quatre pattes aussi. Bon, après plusieurs essais, on peut y arriver. On va réessayer. Bon, après, n'hésitez pas, si vous voulez un salto parfait, on l'a dans une vidéo précédente sur la présentation de ce poney, donc de Rainbow Dash. De Mattel. Bon, après au niveau des pattes, voilà, c'est un peu bloqué, un peu figé. Il y a juste la possibilité de le bouger pour l'asseoir. En revanche, concernant la peluche, celle-ci donc peut bouger les quatre pattes. Donc on a, voilà, deux fois le même poney, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc on a bien sûr un qui est plus doux, voilà, qu'on peut apporter un peu partout. Et puis l'autre qui est aussi mignon, mais voilà, on peut pas non plus... l'avoir tout le temps et bon. Par contre il y a des fonctions plus intéressantes, on peut faire un super salto, on peut jouer facilement, on peut le peigner, on peut le mettre aussi, donc voilà, parce qu'on peut lui coller des tatouages, il y a des tatouages qui sont inclus dans le kit et ça c'est pas mal aussi. Donc chacun, chaque poney je trouve a ses avantages et ses désavantages, mais
Voilà, ça dépend des préférences. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez plutôt la version peluche, toute mignonne, ou la version jouée qui peut faire en plus avec la fonction salto? N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour me dire ça. Voilà. Là, on a aussi une bouche qui est bien dessinée sur celui de droite. Bon, après, c'est vrai que la fonction, voilà, mettre des tatouages, c'est fun aussi. Donc, si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas. Regardez également nos autres vidéos pour découvrir d'autres jeux et découvrir d'autres idées. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut !